Et au lendemain de cette offensive du Hamas, il y a de jeunes Palestiniens qui ont décidé de se regrouper à Montréal et manifester leur appui à l'attaque. Ça se passe au square Dorchester où on joint Adi. Comment ça se passe? Écoutez, Véronique, ça se passe assez bien, assez calmement depuis qu'on est arrivé ici sur les lieux vers 14 heures. Alors, je vais vous montrer des images en direct et vous comprendrez un peu l'ambiance qui règne ici sur les lieux. Il y a environ quoi? Peut-être 100 personnes, 150 personnes, et vous les voyez, avec le drapeau de la Palestine en main. Évidemment, ça se passe dans un contexte bien particulier, hein, parce que vous comprendrez que les personnes qui sont là ne sont pas tous rangées derrière le groupe Hamas. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui en soutien à la cause palestinienne. J'ai parlé, Véronique, avec plusieurs d'entre eux. Je leur ai demandé qu'est-ce qui vous a convaincu de venir ici aujourd'hui. Et les réponses sont tout aussi variées que le nombre de personnes qu'il y a. Certains m'ont dit on est contre l'occupation des terres palestiniennes par Israël. D'autres sont en faveur de l'invasion du groupe Hamas en Israël. Certains se sont réjouis de ces images qu'ils ont vues. Évidemment, ce sont des propos qui pourraient blesser, choquer des membres de la communauté juive, de la communauté israélienne. Alors, j'ai parlé avec différentes personnes et on fait entendre quelques réactions qu'on a recueillies au cours des dernières minutes. Les terres sont occupées par les sionistes, première chose, depuis 1947. Dans une guerre où il y a 750 000 Palestiniens qui s'étaient jetés en dehors de leur pays. Alors, ils sont des réfugiés maintenant encore dans les camps de réfugiés, à peu près 5 à 7 millions. Finalement, on a eu le potentiel de prendre position dans notre pays encore. Alors, je me sentais quand même content. C'est vraiment important pour nous de soutenir le peuple palestinien dans leur route pour la libération totale de leur terre, une terre qui a été volée de eux en 1948, des Palestiniens qui ont été expulsés de leur terre. Véronique, j'ai demandé à plusieurs des personnes qui sont là, est-ce que vous condamnez les gestes de violence qui ont été posés par le Hamas au cours des 24 dernières heures? Et chaque fois, ce qu'ils me répondent, c'est qu'on condamne plutôt la violence, l'oppression subie par les Palestiniens par l'État d'Israël. Alors, voyez à combien ça demeure quand même délicat et évidemment, peu de gens ont voulu condamner ouvertement ces violences dans les circonstances. Voilà. Merci, Adi. Très bien.